Les survivants ont enfin atteint le rivage, mais non sans mal. Ils sont fatigués, ils ont faim, ils ont froid, ils sont trempés. Ils ont trouvé une survivante du nom de Nathaniel. L'un d'entre eux est blessé et il s'aventure un peu plus dans les profondeurs du continent. Messieurs, vous avez entendu l'écho de Jensen, que vous avez reconnu vers les hauteurs, ou du moins vers le nord. Vous ne savez pas exactement d'où il provient, mais en tout cas, il est là et il envahit l'espace. Vous avez un peu encore une perte d'orientation en arrivant ici, mais vous devez agir vite. Je vous rappelle qu'il y a ces ombres qui se dessinent et qui sortent peu à peu de la flotte derrière vous. Donc, tour de table, dites-moi qu'est-ce que vous faites. Je vais avancer devant tout le monde. Après tout, c'est moi la militaire, donc Jessica, ça me paraît bien. Je suis censé prendre le devant. Donc je vais dire aux gens, restez derrière moi en file indienne. On va se diriger vers ce bus là-bas. Ok, d'accord. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Test de perception. Absolument. Aperçoit une poupée gonflable dans la mer. Elle est piégée de 5 pins de ses 4. 57, ah. Ce qui... fait que tu as réussi, tu as 65, oui. 5, 57, ça passe largement. Donc tu vois, tu analyses un peu la situation. Donc il y a devant toi évidemment un amoncellement de carcasses qui mène à des hauteurs, donc vers le nord. Il y a un peu plus en avant une pelle, on dirait quelque chose, quelqu'un essaie de creuser. Il y a du mouvement, tu le remarques tout de suite. Et l'air méfiant de Canigou te confirme qu'il y a quelque chose dans le sable qui traîne par là. Et à droite, il y a aussi quelques mouvements un peu suspects, tu n'arrives pas trop à déterminer, mais tu arrives vite à du moins analyser l'endroit. Donc tu avances, vous vous séparez. Je vous suggère vraiment de faire 4 groupes de 1. C'est vraiment la super idée du siècle. On est sur une plage où il n'y a personne, donc ça va aller quand même. J'avance. Personne de vivant. Je veux bien que les zombies soient enterrés, mais bon, tu vas pas faire sortir un zombie de toute une plage. Tout le monde est capable d'avancer tout seul, là, ou pas ? Je fais ce que je veux. Moi, je suis pas en file indienne, je suis désolé. Je suis un peu apeuré par l'espèce de monticule de cadavres, là. En fait, je voudrais commencer par m'emparer de la... jeter mon bâton et prendre cette grosse pelle qui sera bien mieux pour me servir. D'accord, c'est très bien. Donc, tu t'approches et tu remarques quelque chose d'autre. Donc, je vais garder le test réussi de perception. Tu vois qu'il y a un mouvement donc dans le sable qui se détache un peu et c'est une tortue, en fait. Qui bouge tranquillement par là et ça a des dents les tortues parce que sinon ça peut mordre, tu sais, ça chie que c'est une tortue zombie, tu sais. Peut-être, méfie-toi. Il y a, elle quitte en fait un endroit, tu sembles percevoir des œufs de tortue pas loin et tu sais en tant que survivante, en tant que militaire, que dans des endroits hostiles il faut pas sous-estimer ce que peut représenter des équivalents de rations à des moments les plus extrêmes. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Donc, tu agis, par contre, cependant, Jessica. Canigou, tu as fait le tour par ici, du monticule. Tu te diriges donc vers... Du coup, je suis intrigué par la tortue, parce que je tombe sur un autre animal, en fait. Donc, je vais la voir et je vais la flairer, en fait, la renifler. Renifler les fesses. Elle dégage la même puanteur que les zombies ou pas pour, du tout. Pour savoir si, en fait, tu peux la manger ou avoir du sexe. Ou devenir toi, tout simplement, la mort platonique. Ça existe. Ou les deux, oui. L'évolution, on verra, un resto, un ciné, les trois, ça se développe, les trois, tout ça. L'évolution. Et donc, du coup, tu t'approches. Alors, tu as un talent qui est lié à ton personnage, qui est en effet de flairer ce qui est vraiment puant. Du moins, tu t'es habitué à ce flair-là, malgré le fait que vous soyez isolé sur l'île. Et non, la tortue ne semble pas être une tortue zombie. Jamais eu de telle chose de toute manière jusqu'à maintenant. Donc non, elle va à vitesse de tortue comme ça, en regardant derrière elle. Tu peux imaginer ce qu'elle pense. Oh mon Dieu, des envahisseurs. Donc elle s'enfuit. Une petite conversation comme les Pokémon en fait. Je dis alors toi, ça fait combien de temps que tu t'es barré, tout ça, tu traînes avec donc, qui. Donc toi, enfin... tu d'accord, très bien. Et la tortue qui répond, tu sais. Depuis que j'ai perdu ma fille. C'est le gros drama. Je me vengerai un jour. Tu me mènes très vite. J'étais historien avant. William, qu'est-ce que j'ai roulé ma carapace à travers la Norvège. Eh bien, je vais regarder aux alentours s'il y a quelque chose qui peut nous servir. Est-ce que j'ai des connaissances quelconques qui me disent si les œufs de tortue, ça peut nous aider à survivre ou pas ? La connaissance déjà que tu as là tout de suite, c'est que vous avez Nathanaël que vous avez sauvé, qui est encore en retrait. J'ai posé la question. Aidez-moi, je suis la question si quelqu'un avait besoin d'aide pour avancer. Ouais. Du coup, elle peut rouler sur elle-même. Tu vois son bras comme ça vers. Non mais c'est surtout qu'on peut pas déplacer son token. Alors évidemment on l'a pris avec nous. Qui s'en occupe?
qui s'en occupe. Alors plusieurs personnes, ça, c'est-à-dire à la fois moi et William. Toi, ouais, tu parce boites, que ça peut pas toi, être t'as déjà du mal à marcher, hein, donc. Oui, mais c'est pour tout ça. Tout à fait. Ça peut pas être Jessica si parce que Jessica, elle est vraiment en mode expendable, en avançant et en couvrant toute la zone, en faisant la sentinelle. Et donc le truc, c'est que je boitille et toi t'es vieux, donc on était deux à la portée et puis c'est tout. À trois, on avance. Très bien. Je vais vous donner l'usage de ce token, donc vous allez vous la répartir. Qui est la seule raison pour laquelle on l'a abandonné, c'est je n'arrive pas à la déplacer. Laisse-la mourir. Je la donne à tout le groupe, comme et vous vous répartissez si vous voulez. Yay, vraiment. Je veux une jambe. Du coup, très bien. Ça, vous allez vous arranger avec les zombies. Du coup, tu as saisi l'appel. Ouais, j'ai ramassé l'appel. Ensuite, je me dirige vers les voitures et vers le bus qui sont là pour voir si je trouve quelque chose dans les carcasses, notamment dans le coffre. D'accord. En ouvrant la portière de la voiture, ensuite en regardant à travers les vitres. Tu entends, en étant ici, Jessica, tu entends tambouriner sous terre, à côté des pelles. Ça ne présage absolument rien de bon, mais il n'y a pas de danger immédiat, notamment parce que tu te reposes sur l'instinct affûté de Canigou. Qui... Je mets tout de go face à la source du son. Tambouriner voilà. Sous terre. Il y a en effet... ça tambourine, ça frappe un peu, comme s'il y avait quelqu'un dans une caisse, en fait, tout simplement. Dans un cercueil ou qui a été enterré ici, peu importe. Mais est-ce que c'est genre les tambours du Seigneur des Anneaux, c'est pas du tout. Et donc, du coup, pendant que Canigou fait la conversation avec la tortue, toi, tu avances Jessica vers ici et les sons, les cris de Jensen. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Viennent de cette zone-là, de cet empilement de carcasses, de ferrailles. Peut-être coincé. Donc, du coup, tu avances avec la pelle à la main. Je te donne. Est-ce que je fais, je fais un petit sifflement, genre. Voilà. D'accord. À l'attention de Canigou ? Non, de Jensen. Vraiment ? Pour s'y répondre. D'accord. Okay. Et Jensen répond en aboyant. Tu entends. C'est qui ? Qui est là ? T'entends si c'est un militaire, à un moment, il va pas faire. C'est Canigou ! Si c'est un militaire, oui. De toute façon, il est certes sur la défensive et c'est un militaire, mais en plus de ça, il a l'habitude de réagir au quart de tour au bruit suspect. Et il n'y a pas beaucoup de zombies qui sifflent. Donc, en l'occurrence, il se dit probablement que c'est un être humain. Et tu as très bien fait de siffler comme ça. Tout court. Donc, tu as l'appel à la main. Je t'ai donné le contrôle du token de l'appel. Bon, ça va te donner un bonus en combat pour repousser ou quelque chose d'équivalent. Et en tout cas, donc, tu entends la voix de Jensen qui redouble de violence. C'est qui est là? Et t'entends immédiatement, toi, tu reconnais le bruit d'un rechargement d'armes, en fait. Très bien. De quelle direction? Qu'est-ce que tu fais? Dans qui quelle vient direction? De la pile, au là, milieu, de cette en fait. Ouais. Ça vient d'ici. Il est en train ça de charger son dessous. Flingue, là. Ça vient d'en dessous, en fait. Et il y a le bus qui est probablement tombé des hauteurs, ainsi que plein de véhicules. Donc, ça fait une sorte de tipi, de carcasse, et il doit y avoir des ouvertures très difficilement accessibles par là. Il a dû se glisser par là. Tu vois qu'il y a des corps qui sont pas aussi putréfiés que d'autres, qui ont été détruits, des zombies probablement qui ont dû essayer d'atteindre les interstices, donc des ouvertures des carcasses, et qui ont été repoussés et qui ont été récemment abattus. Donc il est probablement tout en dessous. Sous d'accord. Les carcasses. Au moment où j'entends le bruit de rechargement d'armes, je me colle contre la voiture qui est juste ici et je. Tu sais, comme ils ont les militaires où ils font foudre, tonnerre, machin, et je balance une espèce de mot de passe comme ça, tu sais. Très bien, ok. Il te répond immédiatement. Et genre, le réflexe, tu sens que les mois à avoir passé ensemble, sur l'île, paye. Il y a une sorte d'adéquation qui se produit et en effet, il te répond immédiatement. Jessica, c'est vous ? Oui, calme-toi, du calme. C'est toi qui. Je suis blessé. C'est toi qui es armé là. Oui, je suis gravement blessé. Il faut. Et là, au même moment, tu vois les ombres se dessiner.
dans l'eau, qui continuent de progresser à leur rythme, mais il faut quand même faire ce que tu fais depuis le début, c'est-à-dire ne pas ralentir. Alors, je dis Kumiko et l'autre, là, le vieux, comment il s'appelle déjà William. Kumiko, William, venez m'aider. William. Ok. J'avance quand même un peu, Nathanaël. Il va falloir aussi, se glisser en entre les interstices. Il va falloir se glisser. Justement, j'aimerais éclairer la zone en fait, pour essayer de trouver un passage qui n'est pas obstrué. En fait, très bonne idée. Et est-ce peut-être même gratter le sol pour faciliter la progression des. Accessoirement, est-ce que le chien peut voir s'il y a un danger par là quoi. Alors, il n'y a. Oui, faire les deux en même temps, c'est-à-dire essayer de trouver un passage, mais un passage safe. Il n'y a pas cadavres qui vivent ici parce qu'ils ont tous été détruits. Et par contre, tu vas me faire un test, s'il te plaît, de perception. Sachant que ton test de perception va te permettre d'apporter un bonus aux autres pour se faufiler entre les carcasses pour atteindre donc Jensen. Surtout que c'est moi la plus fine, donc je vais y aller derrière, du moins d'instinct. 73 pour 96. Parfait. Donc tu trouves donc l'interstice, le passage idéal qui ne met personne en danger. Bah, c'est surtout Est-ce que je peux sortir la phrase en japonais, tu vois, que j'ai tapé sur Google Trad là. Neko. Inu ananika o mitsuketa. C'est-à-dire le chien a trouvé quelque chose. Si j'y vais quoi. Bien. Comme une écolière. Refais là. Genre j'ai que le cul qui dépasse quoi. Refais là. Ah non j'ai fermé l'anglais. Attends comment on dit non. Niet. Niet. Ça passe. Très bien. Donc vous trouvez l'accès qui donne le passage qui ouvre vers cet espace plutôt grand mais sous les carcasses. Vous voyez Jensen qui est imbibé de sang. Il y a un morceau de ferraille qui lui sort par le flanc. Il est fiévreux, il est dans un état qui est beaucoup plus pitoyable que le vôtre, alors que vous avez dû atteindre le rivage autant que possible à la nage ou de manière inconsciente, mais lui, il est dans un état pitoyable, il s'est dépendu, il a probablement plus assez de balles, il vous regarde complètement fiévreux. Je crois que ma route s'arrête ici, c'est pas tout ce que je voulais, je vous jure, c'est pas tout ce qu'on voulait. Tout ça a changé. Et qui est le plus proche? Qui est le plus proche? Voilà, techniquement, je suis juste à côté, là, mais... Oui, d'accord. Voilà. Il regarde son arme à feu, il te regarde toi, Jessica. Tenez, moi je vais pas faire long feu, vous savez, le monde a changé, on n'était pas tous d'accord sur ce qui se passait sur l'île, je vous jure, on n'était pas du tout d'accord. Et à ce moment-là, il y a un bruit un peu en approche, qui a des goûts sursautent, il y a un bruit de tôle un peu, comme ça, qui résonne ici dans le coin, alors que vous êtes tout en dessous de l'amoncellement de carcasses. Écoutez, j'ai mis du matériel dans une grange plus en hauteur. Dans une carcasse, dans une grange, j'ai mis du matériel avec de quoi faire démarrer un van derrière la colline. Il faut que vous... La solution, c'est vous la solution. C'est dire qu'on voulait pas tout ça. Il y a encore des gens bien, je vous jure qu'il y a encore des gens bien. On n'était pas tous d'accord. Trouver le van, aller en direction de la ville. Aucun sens, Jensen, calmez-vous. Vous êtes complètement cinglé. Il a perdu l'esprit. Sujet-verbe-complément. On ne comprend pas. Attends. En japonais, du coup, c'est Watashi wa kare no kurushimi o mayo de warasuma. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vais mettre fin à ses souffrances. Ça aurait été saisi, Jessica. Écoutez-moi, je vous dis. Atteignez la grange, prenez le matériel et atteignez ensuite le van. Quittez cet endroit. Retrouvez la ville. Il y a sur le passage un hôtel, le Red Raven. Là-bas, il y a un survivant. Il va tout vous dire, il va tout vous expliquer. Jensen, comment vous savez tout ça? Je ça m'a l'air d'être une quête, ça, Jensen. Ça m'a l'air d'être une quête, Jensen. Et quand est-ce que vous êtes descendu du bateau qui est rentré dans la plage? À quel moment est-ce que vous avez déposé tout ça dans cette grange? En Jensen, quelle année on est? Jensen, comment connaissez-vous la Norvège? Comment savez-vous qu'il y a un mar qui s'appelle Red Raven? Messieurs, une question à la fois. Jensen, c'est et absurde. Comment vous avez réussi à venir jusqu'ici et à vous faire empaler par un bout de métal? Jensen, qui vous êtes tombé du bateau, vous êtes empalé, vous avez déposé des affaires dans une grange et trouvé une voiture et tout ça en l'espace mais de 20 minutes. Surtout qu'il est, pas après un accident de bateau, vous êtes fait écraser par un bus. J'avais pas logique. On avait le bus venait du bateau, tout s'explique. Oh. Je suis en train de mourir là, les gars. Je meurs là. On a cassé le MJ. J'ai du sang de partout. Calmez-vous bien. Je peux mourir tranquille ou pas? Sérieux quoi, les survivants qui viennent me casser les noix là alors que je pisse mon sang, alors que je donne Et là je l'échouille tes orteils.
Mais c'est pas grave. Vas-y, remets. On se calme. Vas-y. On réactive le PNJ. Vas-y, vas-y. On avait pour habitude de revenir ici régulièrement. On avait des accords avec des communautés. On venait ici régulièrement. Et moi, je devais m'occuper du matériel. Je savais que ce jour allait arriver. Je savais que tout allait foutre le camp. Je savais que ça allait merder. Et je n'étais pas d'accord avec toute l'équipe sur ce qui se faisait sur l'île. Franchement, beaucoup ont perdu la vie. Ça risque d'être pire encore. La solution, c'est vous. La solution, c'est vous. Faites-moi tout, s'il vous plaît, un test de perception. Mamie. Moi aussi ou pas? Oui. Oula. D'accord. Même pour le chien, c'est raté. Oula, 98. Ouf. Échec dramatique. Moi, en fait, je comprends rien. Nani. 93, non. Non. Très bien. 98, 93, 93. Et 27. 27. J'ai réussi. Ok. Ça va compter, donc 98 sur pas assez de... Il y a un échec critique quand même dans le tas. C'est un échec critique, hein. C'est pour ça que je dis, je comprends pas ce qu'il dit. Hein. Je suis très moche. Bah, tu, littéralement, tu comprends pas ce qu'il dit d'ailleurs. Bah, oui, c'est pour ça que je pose la question, genre qu'est-ce qu'il a dit. Il y a un bruit de tôle, de ferraille d'un seul coup. Je sais pas si vous vous souveniez de ce concept d'indice de menace avec le déclenchement des enfers. Là, je vous ai demandé un test de perception parce qu'il va se produire un truc odieux. Il y a tout l'amoncellement de carcasses qui se replient sur soi et je vous avais expliqué que la terre était meuble. Ces récifs, cet endroit est complètement poreux. La roche est poreuse, c'est comme si la terre elle-même avait été pourrie par cet apocalypse zombie. Les meubles sont poreux, le scénario est poreux. Non, et bientôt ta vie va l'être. Oui, donc, je le vis tellement bien. Vas-y. Eh bien donc, vous avez fait 3 échecs sur 4, et je dirais même plus un échec critique. Toi, Bob, la prochaine fois, tu y réfléchiras 2 fois avant de critiquer. Avant de parler mal, j'ai aucun regret. Comment on dit ça en Japon? J'ai fermé on l'onglet. On va voir ça tout de suite. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Toi, Jessica, tu as réussi ton test, donc tu vas pouvoir rester consciente sur ce qui va se produire ensuite. Donc, je vais te prendre à part. Les autres, vous avez complètement loupé, même si, de ton côté... Si je peux aider d'une manière ou d'une autre un autre personnage, quitte à me mettre moi-même en danger, je le fais au passage. Par contre, moi qui suis à l'extérieur, ce que j'ai raté, c'est de pouvoir les prévenir. Moi, ça va pas s'écrouler sous moi. Oui, non, oui. Ça va pas. Quand le bus se décale et il décrase, tu vas avoir des conséquences. C'est le frein. Il y a plus le frein. Le bus avec recule Nathanael, sur toi. Je suis pas appuyé contre le bus. On est quand même un petit peu à l'extérieur, tout ça. Donc, absolument. Ben, ouais. Nathanael s'écroule et tu fais un jet de survie. Tu nous encourages. Bon, allez, maintenant, survivez. Justement, en parlant de ton intervention, fais-moi s'il te plaît un test d'agilité à 30%, sachant que de malus à 30% de malus, sachant que tu as fait un échec critique et je t'invite plus que cordialement à réussir ton test. Cependant, 70% d'agi, moins 30%, c'est 40. Mais j'ai agile, bonus de 10% pour franchir les obstacles. Est-ce que ça compte ou pas du tout? La mort est un obstacle, on peut considérer que c'est valide. Il évite un obstacle. Bien sûr. Tout à fait. Ça me ramène à 50. Vas-y. C'est 59 parce que no luck. 59. No luck. La dernière chose que tu entends avant de sombrer dans l'inconscience est un déchirement de chair et probablement ta jambe. Est-ce que c'est la jambe où il était déjà blessé ou l'autre? Il n'y a pas de petit plaisir. On fera un jet pour déterminer. Donc, mon gars. Tu sombres, les autres sombrent quasiment. Quand je dis quasiment, c'est parce que William, de son côté, est à l'extérieur et que c'était aussi pour avertir les autres. Il se produit quelques effets, c'est que tu vois tout s'affaler, toutes les carcasses s'affaler les unes sur les autres, le sol s'enfoncer, cette terre complètement poreuse, comme si la terre était pourrie d'elle-même suite à cette apocalypse zombie, à cause de la pollution, à cause des créatures, à cause de l'infestation, de la pandémie. Et cependant, tu es à l'extérieur avec Nathanael, donc la seule rescapée des rivages. C'est quand même une journée de merde. Absolument. Et ça ne risque pas de s'arranger. Jessica, tu es probablement la seule à être consciente dans la séquence qui va suivre. Jessica, dans ta chute, tu as eu des réflexes de survie. Tu as saisi tout ce que tu pouvais. Tu as saisi l'arme qui était en train de te tendre. Donc, Jensen, tu as vu 2-3 matériels. Vite, tu as récupéré. Et en t'écroulant, tu te retrouves ici. La première chose que tu as fait, alors que tu vois les autres qui ont essuyé le choc, qui ont encaissé comme ils pouvaient, tu es ici, en dessous,
de la surface, dans une partie poreuse de la plage. Tu as craqué, tu sais, ces petites lampes éphémères que tu craques pour voir la lumière, voilà. Tu as ça avec toi, que tu as craqué, premier réflexe, alors que tu es encore sous l'adrénaline et que tu vois une partie juste partielle du corps de Jensen à moitié enseveli. De toute façon, il n'en avait plus pour longtemps. Hein. Tu es militaire, tu sais quand les blessures sont mortelles. Et là, c'était le cas. Il y a pas loin, avec les pattes arrière ensevelies, Canigou, juste à côté de toi, ici, par là. Tu as deux autres petites lumières que tu peux craquer avec toi. Et ce sont, je rappelle, des éléments que tu as trouvés sur Jensen au dernier moment, parce que tu as réussi ton test de perception et que tu as eu des réflexes, parce que tu es vraiment dans l'action tout le temps. De toute façon, on a pu le voir depuis le navire. Et tu vois également Kumiko qui est ici, juste à côté. Cependant, il y a une partie de sa jambe qui est ensevelie sous la terre et tu vois que la terre est imbibée de sang. Tu penses pas que ce soit le sang de quelqu'un d'autre. D'accord, je vais essayer de traîner Kumiko hors de la terre et voir si ça vient tout seul ou si ça résiste. Ok. Soulever un peu, je fais pas genre... j'essaie pas de soulever non plus. D'accord. Juste voir, est-ce qu'il y a une résistance, quoi. D'accord. Tu fais un test de force, s'il te plaît, avec un bonus de 10. C'est un bonus qui est dû au fait que tu as réussi ton test de perception et que tu es parfaitement optimum, malgré la situation de crise. D'accord, alors, j'ai pas énormément de force après. Sachant que ça va être, si tu fais un échec, c'est que ça va te demander du temps. Ça veut pas dire que tu vas pas y arriver. Non, ça passe. Tu tires, Kumiko, c'est une blessure mais hideuse que tu vois tout le long de la jambe. Elle est tombée en fait et il y a dû avoir un morceau de tôle dans la longueur qui lui a fait un nouveau zip à la jambe. Et donc, dans le mollet, dans le mollet jusqu'à la cuisse. L'artère fémorale n'est pas touchée. Cependant, c'est très problématique. Il va falloir vite faire quelque chose. Je vais. Qui a la trousse de soins ? Excuse-moi, qui a la trousse de soins ? C'est William, il me semble. C'est possible. C'est possible. Oui. Cependant, ça nécessite pas de trousse de soins pour faire ce que je vais faire. Je vais juste arracher une manche du truc de Kumiko je vais faire un garrot immédiatement au niveau de la cuisse. Ça c'est... Yeah. Très bien. Yamete. Voilà, c'est le premier à essayer de dire quelque chose. Tu n'arrives pas trop à comprendre la douleur produite par les mouvements. La réveille un tout petit peu. Canigou aussi. Mais ils sont somnolents. Donc vous allez avoir tous les deux un malus dans vos actions physiques parce que vous avez loupé votre test de perception. Et Jessica, elle, est optimum. Tu as trois petites loupiotes que tu as trouvées sur Jensen. Ce sont des loupiotes qui se dépense vite, va falloir avancer. Tu ne connais pas la stabilité de cette structure extrêmement poreuse. Oui, va falloir bouger vite. Pour commencer, déjà, je fais un garrot en serrant à mort au niveau de la cuisse de la cuisse endommagée. Ok, parfait. Ça suffit à empêcher des saignements supplémentaires, mais il va falloir un traitement médical spécialisé, comme a pu l'appliquer tout à l'heure William sur Nathanael. D'accord. Mais la douleur est telle que ça réveille Yumiko qui est là. Hey, non mais putain, Hong Kong, ça va pas, non ? Hey, oh, faut pas serrer aussi fort, qui sort avec un putain d'accent du ski, il peut plus rien. Du coup, fois que j'ai fait le garrot, je secoue vite fait le chien pour voir s'il est réveillé. Mais okay. Pas plus que ça, je perds pas plus de temps que ça, tu vois. J'essaie de la jouer roleplay. Merci, le respect des animaux. Bravo. Non, j'essaie de la jouer roleplay. Pétain, moi, tu vois. Disons, je sais, pour expliquer, je sais que le chien, c'est un joueur, c'est Seb, mais tu vois, en termes roleplay, j'accorde davantage de valeur aux êtres humains qu'aux animaux, tu vois ce que je veux dire. Voilà. D'accord, bien sûr, évidemment. Donc, il est tout pâteau, c'est comme s'il vient de se réveiller d'un rêve avec une tortue. Du coup, il n'arrive pas encore à s'orienter ici, de savoir ce qui s'est passé. Mais je remue un peu dans tous les sens, tu vois, c'est un peu la panique, tu vois, j'essaie de me reconnecter avec l'environnement. D'accord. Quelque chose t'inquiète, tu te souviens que tu avais entendu tambouriner tout à l'heure, il y a une sorte de d'écho, tu n'arrives pas trop à déterminer, tu ne sais pas si c'est de l'écoulement de sable entre la roche poreuse ou si c'est autre chose. Tu peux imaginer en projetant, toi-même t'es militaire, que le premier réflexe des êtres humains lorsqu'il s'est produit cet apocalypse zombie, c'est de se diriger vers les rivages. Et même le nombre de navires qui a échoué, ça a dû être rejeté sur les rivages, un nombre incalculable de cadavres, ce qu'ils sont devenus, c'est autre chose. Il ne faut pas rester ici, agir vite est ta priorité. Dans ce cas-là, je vais dire William, vous m'entendez ?
Pas de réponse. Non. C'est... Le bruit est étouffé. Le bruit est étouffé. Tu n'as pas de réponse. D'accord. Bah dans ce cas-là, je vais chercher. Je vais remuer la lumière un peu dans tous les sens pour chercher une sortie. Quoi. Il y a un chemin par là. Je te laisse te diriger. Tu peux utiliser je un suis debout deuxième. Ou je suis assis. Tu es debout. Je suis debout. J'ai quand même la place de debout. Tout à fait. C'est. Vous êtes courbé comme ça. D'accord. Mais c'est. Je vous ai dit. Ce sont des boyaux faits naturellement. Et ça doit être comme ça partout au bord de la plage. C'est complètement poreux. C'est de la roche, mais abîmée par la pollution, abîmée par d'accord. plein de choses. Les égouts de corail. C'est le monde. Bah, si on veut. Je traîne Kumiko jusque vers là où je trouve la sortie. Quoi. Ok. Tu peux utiliser. T'en as trois de loupiote. Tu peux utiliser un deuxième pour si tu veux. Bah, donc quand la première est terminée, j'utilise la deuxième. D'accord. Tu fais quoi? Tu jettes en avant une deuxième et non, tu la rejoins. Non, je l'attends essayer. Avec mon bras un petit peu loin comme ça. Ok. Je vais te donner plus de luminosité. Et sur tous les 10 cm de sable sur lequel tu me traînes, je suis là. Itai, itai, itai. Est-ce que je peux emboîter le pas et passer en mode instinct de survie et essayer de flairer de l'air pur, enfin la sortie en fait, et comme j'ai... Très bonne idée. Fais-moi s'il te plaît un test de perception, sachant que tu vas avoir un malus. Et j'ai un malus, ouais. Absolument. D'accord. Vas-y. Oh là. Décidément. Le malus n'a pas servi à grand chose. Donc, en fait, Canigou, maintenant, Canigou se prend pour se un met, chat. Le choc était trop dur. Canigou se met sur les pattes arrière et fait comme ça. Bon, je mets la truffe dans le sable. Comme ça. Voilà. Il trouve un os et il gratte. C'est ça. Non, il fonce. Sauf que l'os est encore attaché à un zombie qui est là. Mais il fonce, il suit son flair, il va disparaître quasiment de ton champ de vue. Il mais du coup, ouais, je pars dans une autre direction finalement. Ouais, non. Non, pas d'une heure. Non, tu pars dans une direction, tout va bien se passer. Et donc, tu vas par là, tu te dépêches, tu y vas. Qu'est-ce qu'il y a devant moi là? Il y a un mur, c'est ça? Il y a absolument un mur, tout à fait. Il y a de la mousse, il y a des champignons, il y a tout ce qui a pu pousser dans cet environnement extrêmement humide. Et donc, tu avances, tu entends toujours ce petit écoulement de sable et cette inquiétude qui grandit, mais qui a été heureusement rassurée par l'attitude parfaite de Canigou. D'accord. Le roleplay veut que je lui fasse confiance, normalement, parce que je ne sais pas s'il a échoué réellement son test. Alors que l'accent extrêmement perfide du MJ t'indique le contraire. Ah, oui, non, mais voilà, je veux dire, si je veux la jouer clean, effectivement, je devrais me contenter de le suivre. Évidemment. Et c'est beau. Donc je me contente de le suivre. D'accord. Kumiko, ta blessure à la jambe, tu vas avoir des malus en agilité, tout ce qui est action physique, tu vas avoir des malus. Et même pour te concentrer, la douleur est très forte. Il va falloir avoir les soins de William pour ceci. Et surtout que c'est lui qui a la trousse de soins. Et est-ce que la blessure, elle est sur la même jambe ou pas? Oui, absolument. Ah, bon. Je lui dis à Kumiko, ne bougez pas. Nani. Ok. On est toujours sous le bus là? Ouais, c'est un très grand bus. La surface. Non, vous êtes sous la surface. Il a expliqué qu'il y avait des tunnels en fait. Ouais. Pour ça, que la roche est complètement poreuse. Absolument. Les égouts de corail. En fais-moi, s'il te plaît, un test de perception. Tu as fait un échec critique. Donc, tout atout qui est lié à ton personnage est invalidé par ton échec critique de 99. Mon cher Canigou, fais-moi. Oui. 99. Non, c'est 99. 98, ça, c'est Canigou, ça. Oui, tout à fait. Donc, je croyais que tu me parlais à moi. Pardon. Mais non, du coup, où est mon token? Je l'ai perdu. Tu es parti réellement dans tous les sens du terme. Là. Tu es ici. Est-ce que tu vois le ping? D'accord. Tu es ici. Je vois le ping. Voilà. Tu es dans l'obscurité et tu vas me faire, s'il te plaît, un test de perception avec un malus 30. Tu as fait un échec critique. Je vais appliquer un malus de 30 à Bob, donc je vais prendre le même. C'est parti. Oh, et c'est réussi. Enfin. Quand il y a des mains qui passent, quand il y a des mains qui passent sur ton pelage, tu te dis que c'est pas le
celui. Je kiffe pendant une microseconde, je fais. Et après, je fais. Voilà, exactement. Et à ce moment-là, au même il y a des bruits de part en part, tu es dans l'obscurité, donc tu as du mal à t'orienter, mais quand même, t'es un chien, donc tu as un instinct. Donc tu files et t'entends des grognements contre les parois. Tu as pu sentir des mains. Aboyer directement, parce que j'ai toujours associé ces créatures à de la menace, toujours. Donc, C'est exactement le cas. Là, il va falloir avancer. Et en plus de ça, Jessica, t'entends les aboiements de canigou qui se multiplient. Et t'entends aussi des grognements. C'est un chien qui fume. Dans la grotte qui résonne. C'est clair. Donc, qu'est-ce que tu fais, Jessica? Je dis canigou, reviens ici. D'accord. Avec cette voix, avec la voix de Gollum, on sait pas pourquoi. Et tu fais quoi? Je lui dis de revenir et je me dirige vers là où j'entends les okay. aboiements jusqu'à le voir à peu près, tu sais, même pas le voir clairement, mais jusqu'à voir le bout de son pelage de sa queue. Très bien. Quoi. Donc, je vais te dire ce que tu vois. Ce que tu vois ici, c'est la chose suivante. Je vais te dire ça dans deux secondes. Arrête-toi parce que tu entends les aboiements à ce moment-là. Il y a sur les parois, sortent des parois, des mains en fait qui essaient d'avancer comme si des corps étaient complètement absorbés par la plage, par le sable en fait. Si je vous rappelle, cette terre complètement meuble. Et, c'est le twist en fait. Ce n'est pas les morts qui sont vivants, c'est la plage. Tintintin, la plage et est donc, vivante. Et donc, la réussite in extremis de Canigou a permis. A permis d'indiquer la présence en fait de ces créatures enfermées elles-mêmes dans la terre et qui essaient d'agripper tous ceux qui s'approchent contre les parois, ce qui vous permet d'évoluer. Je te laisse avancer entre tout ça, sachant que Kumiko, elle, est aidée par tes soins, donc tu avances en restant prudente et je te laisse donc déplacer Jessica. J'ai une question parce que depuis tout à l'heure il me traîne et je suis en état de choc, je suis d'accord, mais est-ce que voir ça me dégrise pas une seconde? Tu as raison, tu mets un état morbide. Quel point rouge comme ça? Voilà, c'est ça, c'est parfait. Donc ton état morbide, ça veut dire que tu as tes réussites et tes échecs critiques qui sont optimisés. La tête de mort, j'ai mis la tête de mort. Donc, je te laisse progresser jusque-là. J'essaye de passer. Si je vois qu'à un moment, ça se resserre trop et que je peux plus. J'essaye de passer vraiment à distance des deux, quoi. C'est parfait, vous réussissez à passer entre les deux, mais c'est parce que Canigou a réussi, malgré son échec critique, avec son malus à 30%, à indiquer le danger omniprésent dans les parois. Vous vous dirigez par là, il se dirige, lui, vers le filet d'air qui se trouve au fond de ces boyaux, et vous sentez le courant d'air et la voix au-dessus de William qui dit « Où est-ce que vous êtes ? Oh ! Où est-ce que vous êtes ? Où est-ce que vous êtes ?»